Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais commenter une séance que j'ai fait un samedi après-midi avec Sabine. Après être allée chercher Sabine, je vais la brosser à l'aide d'un bouchon. Puis d'une brosse. Je vais par la suite lui curer les 4 sabots. Puis lui mettre mes guêtres qui sont des T de T taille M. Je vais également lui brosser la crinière à l'aide d'une brosse à crin de chez Oster. Ensuite, je vais mettre mes étrivières et mes étriers sur la selle de Sabine. Les étrivières sont des Fukanda et les étriers des Compositi Reflex. Ensuite, je positionne son tapis sur son dos, je n'ai pas mis le mien car elle a un tapis spécial, puis ça sèche. Je lui ai également mis mon collet de chasse qui vient de chez Fukanda et il est noir. Pareil pour le filet, je ne lui ai pas mis le mien car elle a un mort spécial. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un bonnet de chez Fukanda et il est noir également. Et donc c'est parti pour le cours de saut avec Sabine. Je commence bien évidemment à détendre au pas puis au trot. Et maintenant au galop. Après avoir détendu aux 3 allures, on va maintenant sauter.
Après avoir sauté les verticales seuls, nous allons sauter deux verticaux de biais. Pour voir que sa bine coupait énormément la courbe, ce qui me faisait arriver très de biais sur l'obstacle. Et maintenant, nous allons sauter les trois obstacles de biais.